Aujourd'hui, on va emmener l'AE30 faire une géo, comme ça au moins on sera carré au niveau du train avant pour le 13 au CKB. Mais avant d'aller à la géo, on va tester d'abord 2-3 petits réglages. J'ai parlé avec Maxime, que vous avez déjà vu dans les anciennes vidéos. Et lui, niveau réglage, train avant, tout ça, train arrière, enfin vraiment, il est chaud de ouf. Il m'a conseillé de mettre un petit peu d'ouverture et du carrossage et d'aller faire un tour, essayer, voir ce que ça dit, voir mon ressenti. Dès que je sens que j'ai vraiment quelque chose de bien, à ce moment-là, aller à la géo pour qu'on puisse régler la même chose des deux côtés. On va tester tout ça dans cette vidéo-là. Et avant ça, on va s'occuper un petit peu de l'AE36. Comme vous le savez, j'ai installé un kit type Felloni sur l'AE36. Il est toujours pas peint, donc là ça y est, j'ai les bombes de peinture, on va pouvoir le peindre. Et aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les jantes en gris de nouveau. On a tout ce qu'il faut ici, donc là j'ai 5 bombes de peinture jaune pour repeindre mon kit, donc normalement ça devrait le faire largement. Et là j'ai quelques bombes de gris pour repeindre les jantes, on ira en rechercher bien évidemment, parce que là ça va pas suffire pour repeindre les 4 jantes. Les jantes, c'est fait. J'ai remis aussi un petit coup de vernis histoire que ça tienne, que ça soit bien. Ça va faire plaisir de plus avoir ce blanc parce que bon, j'ai bien aimé au début, mais là j'en pouvais plus. Vu que le jaune c'est déjà une couleur assez énervée, tu vois, plus le blanc, c'était trop pour moi, tu vois. Surtout que moi je suis pas du tout le genre de personne qui aime les couleurs flash et tout. D'ailleurs, c'est pour ça le 36, je m'étais dit vas-y, on va essayer parce qu'en fait sur les voitures des autres j'aime bien, mais sur les miennes je savais pas si j'allais bien aimer. Là j'ai fait le 36 en jaune, j'aime bien et je suis pas en mode waouh. J'ai regardé à quelques petits endroits, il y a la peinture qui part à gauche, à droite, donc bon. De toute façon, c'était un test. J'avais envie d'essayer au moins une fois de peindre une voiture à la bombe. C'est chose qui a été faite. La voiture elle restera en jaune jusqu'à ce que là, ça devienne vraiment éclaté. Tu vois que la peinture elle se barre à plein d'endroits. Genre par exemple, il y a des petits trucs, tu vois, c'est des trucs de merde. Mais tu vois, par exemple, là, c'est parti. Que si à la fin, il y a quasi toute la peinture qui se barre, on changera du coup de peinture vu qu'on fera une autre peinture. Cette fois-ci, on fera pas à la bombe. Je pense qu'on passera sur un covering. Bref, de toute façon, on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, ça tient. Ça fait plaisir. On laisse comme ça. On va kiffer avec le jaune. En attendant que ça sèche, on va faire un petit truc. C'est que je vais essayer ces jantes là sur ma E30. J'ai toujours voulu voir ma E30 avec des jantes en G7, voir ce que ça donne. Et vu que ces jantes là elles sont en 5x120 et que ma E30 elle est en 4x100, j'ai des petites cales pour adapter ces jantes là sur ma E30. Là elles sont toutes neuves, jamais utilisées. J'en ai juste pris deux pour l'arrière parce que j'ai pas mal de jantes en 5x120 pour drifter en 15, donc la taille avec laquelle je roule sur la E30. Au lieu de racheter plein de jantes pour la E30 en 4x100, j'avais juste à acheter des cales, donc je vais pouvoir les utiliser pour drifter. Le seul truc qui est un peu embêtant sur ces cales là, et peu importe où vous les prenez en général, c'est que quand vous passez de 4x100 à 5x120, ils peuvent pas vous remettre tous les goujons. Vous expliquer juste en gros, donc ça c'est le 4x100 que je vais venir visser sur la E30 comme à l'origine, et en gros le 5x120 ça serait comme ça, tac tac, sauf que vous voyez que le cinquième trou il est dans un des trous des 4x100. En général, quand vous achetez des cales comme ça, peu importe la conversion que vous voulez faire, mais quand vous avez un trou qui est repris par les deux tracks que vous voulez utiliser, normalement ils vous donnent des vis comme ça. Ça c'est des vis que je vais visser la cale sur ma E30. Et la plupart du temps quand vous achetez ça, normalement d'après ce que j'avais vu quasi partout sur internet, ils sont censés vous donner une vis comme ceci qui va venir se visser pour venir tenir votre cale. Par logique, il y aurait dû avoir un goujon soudé dessus qui est censé venir ressortir comme cela pour que je puisse quand même visser ma roue dessus. Comme ça, elle est fixée avec les 5 points. Mais malheureusement, sur ces cales, il n'y a pas. En plus, je les avais attendu grave longtemps. C'est pas grave parce que comme dit, vu que c'est que pour la piste que je vais mettre ces cales là, je m'en fous. C'est pas grave si c'est tenu que à 4 endroits. Tu fais 3 tours, le pneu il explose, donc ça risque pas de se desserrer ou quoi. C'est
pas si dégueu que ça en vrai, le 17. Avec ces jantes là, il y a même pas que j'ai le kit grand angle dessus. On dirait qu'il y a rien du tout, c'est comme à l'origine. J'arrive pas à savoir si le 17 ça fait grand ou si ça passe bien. Je vais mettre l'arrière vu qu'il me reste une deuxième cale. Comme ça on pourra essayer de voir un côté complet, voir ce que ça donne. Bon, avec les deux, je trouve que c'est quand même grand de ouf. À l'arrière en fait, c'est l'arrière vraiment qui me choque. À l'avant, sous ce point de vue là, c'est pas dégueulasse, tu vois. On pourrait la poser plus bas, peut-être que ça serait beaucoup plus joli à ce moment là. Je vais remettre les borbés dessus tranquillement et on va remonter tout sur la E36. On va pouvoir voir le résultat avec le kit jaune, vu que ça y est, c'est bon, c'est prêt, et avec les jantes en grise. C'est vraiment plaisir de la revoir enfin d'une seule couleur, et surtout qu'il n'y ait plus les jantes blanches. C'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà, une bonne chose de faite pour la E36. Et pour la E30, du coup, les frérots, on va se retrouver demain pour rajouter un petit peu plus d'ouverture au niveau des roues avant. Mon volant là, il est vraiment tout droit. Cette roue là, elle a un petit peu de pincement, et de ce côté là on voit qu'il y a vraiment pas mal de pincement aussi. On va essayer de rectifier ça demain, essayer 2-3 petits réglages, aller faire des tours, voir ce que ça dit. Voilà les frérots, donc on se retrouve demain. On va régler un petit peu le train avant de la E30, on va rajouter un petit peu d'ouverture des deux côtés. Je sais pas si on voit vraiment bien d'ici, en gros par rapport à la roue arrière, si vous voyez, j'ai un petit peu de pincement. Pas énormément de ce côté là mais j'en ai quand même. Et par contre de ce côté là j'ai un petit peu plus de placement que de l'autre côté. Bon, après ce qui est cool, c'est que c'est pas vraiment trop chiant à faire. T'as juste acheté le cric sous la voiture, tu la lèves, tu desserres celui-là, j'ai déjà desserré. Ensuite tu prends ta petite clé de 15 et tu tournes ça tranquillement. Donc ça va, c'est pas trop chiant à faire. Si on a besoin de le faire 100 fois, c'est pas le plus chiant à faire. Et les frérots, j'ai mis à peu près la même chose des deux côtés, donc je sais pas trop si j'en ai mis trop, pas assez ou quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est quand tu regardes de l'avant, t'as l'impression que t'as mis de l'ouverture fois 10 000. Et quand tu regardes de l'arrière, t'as même pas l'impression, t'as presque l'impression que t'es en pincement. Donc je sais pas trop. On va voir ce que ça dit, hein. J'espère que ça va être bien. Comme ça, je vais pouvoir un rendez-vous pour qu'on fasse vraiment ça au carré. Mine de rien, là, il me reste qu'une semaine. Après, tous les autres jours, vu que je travaille, c'est un petit peu compliqué. Donc faudrait que je la fasse ce week-end ou dans la semaine prochaine. Je sors ma E30 de nuit, GoPro sur la tête et tout. C'est, on dirait que je vais aller faire des conneries. Pas trop si on verra grand chose avec la GoPro, en plus de nuit ça va être la misère, mais bon. Au moins je vous emmène avec moi pour tester. Déjà la direction, ça a rien à voir avec avant. C'est waouh, c'est trop différent. Et depuis que j'ai acheté ces feux là, je les ai pas encore réglés, donc je vois pas énormément bien. C'est super différent mon gars, j'ai à peine déclenché, j'ai à peine vraiment tourné le volant que la voiture elle s'est cache remis droite. J'aime bien ou si j'aime pas en fait, c'est trop bizarre. Oh là là, je crois que j'aime bien en fait. Dernier petit test juste avant de rentrer les frérots, c'est on va voir si quand je suis en butée à gauche ou à droite, si le volant il revient. Donc là bon, j'étais pas en butée, il revient déjà beaucoup mieux qu'avant. Non, il revient pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai toujours mon bruit que je pense que vous entendez là dans la GoPro. Il s'empire de pire en pire, qui va bientôt casser d'ailleurs. J'espère pas avant qu'on aille au circuit et pas au début de la journée. Bon, ce premier test, pas si dégueulasse que ça. La direction, ça m'a fait bizarre parce que comme dit, ben là la voiture elle va changer du tout au tout. Ça va vraiment être une nouvelle voiture à redécouvrir. Pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir parce que là c'est pas en faisant un ou deux virages. Je vais réussir à vraiment ressentir la voiture et montrer avant, voir comment ça réagit maintenant. Ça malheureusement, je pourrais vraiment que le tester à 100%. La semaine prochaine au CKB. Là le plus important à régler, ça serait de trouver pourquoi quand je braque à fond à gauche ou à droite, le volant il revient pas. Je me demande si c'est pas à cause du manque de la chasse. Et là sur la E30, pour améliorer ma chasse, c'est seulement mes cylindres blocs d'oreilles de triangle qui sont excentrés. Donc ça te rajoute pas de la chasse de ouf. Je me dis que rajouter un petit peu de chasse, ça pourrait peut-être régler ce problème là. Pour ça il y a deux possibilités: acheter des coupelles réglables 3D. L'autre solution qu'on a, c'est de changer les oreilles de triangle, passer sur des oreilles de triangle rotulées. Justin on a sur sa E30. Je vais voir avec lui juste pour qu'il me les prête, qu'on puisse les monter sur ma E30, qu'on puisse essayer. Si ça règle le problème, je sais que je pourrais les commander. Faut que je vous montre quand même, parce que là, ça commence à être critique. C'est hardcore le bruit. J'ai enfin localisé le bruit. Donc, je pense pas que ça vienne de mon pont, mais je pense que ça vient en fait de ma transmission. Sortie de boîte, mon flector, il est tout neuf. Vous avez un flector au milieu de la transmission, il est tout neuf aussi. Mais waouh, putain, c'est abusé le bruit, mon gars. Et de toute façon, la seule chose que j'ai pas encore changé au niveau de l'arrière, c'est-à-dire du cul de la boîte jusqu'à l'arrière, la seule chose que j'ai pas changé, c'est ma transmission.
Donc à mon avis, ça peut venir que de ça. On se retrouve quelques jours plus tard. Donc ça y est, Justin m'a passé les oreilles de triangle rotulées. On a bien chié pour les sortir de ces triangles. Et comme vous pouvez voir, celui-là, il a pas réussi à le sortir. Donc il m'a démonté carrément tout le triangle. Comme ça, ben moi, je vais le sortir aujourd'hui. Donc on installe tout aussi cet après-midi. Parce que demain, après le travail, j'emmène directement le E30 faire la géo. Je vais juste vous expliquer assez rapidement à quoi ça sert de venir rajouter des oreilles de triangle rotulées par rapport aux origines ou encore par rapport aux cylindres blocs excentrés que j'ai. Donc déjà, les cylindres blocs excentrés comme moi j'ai, comme vous pouvez voir, le trou du cylindre bloc là où rentre le triangle est plus au milieu. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est excentré. Elle est excentrée vers la droite, donc vers l'extérieur de la voiture. Et en mettant le bout du triangle plus vers l'extérieur, ça vient faire que cette partie-là du triangle va aussi avancer. Et donc en avançant, c'est ça qui vous fait rajouter de la chasse vu que votre combiné va se coucher un petit peu plus. Et dans le drift, c'est ça qu'on recherche, c'est d'avoir le maximum de chasse pour qu'en gros le volant revienne le plus rapidement possible au centre. Donc dans les transitions, tout ça c'est vraiment le top du top. Et grâce aux oreilles de triangle rotulées, on va pouvoir excentrer encore plus l'arrière du triangle, ce qui va nous faire encore plus avancer notre roue, encore plus coucher notre combiné, ce qui fera qu'on aura encore plus de chasse. C'est pour ça que potentiellement ça pourrait régler le problème du volant qui ne revient pas une fois embuté. Plus cette rotule là va être à l'intérieur, ce carré là de la fixation, plus vous aurez de chasse. Il va venir se mettre comme ça. Si la rotule, je viens la sortir vers l'intérieur de la voiture, ce qui va se passer, c'est que ma roue va aller en arrière, donc on va perdre de la chasse. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc il faut bel et bien le rentrer à fond à l'intérieur. Comme ça, on va réussir à être encore plus excentré qu'avec le cylindre bloc et notre roue va encore avancer. J'ai enlevé l'oreille de triangle avec le cylindre bloc excentré. J'ai essayé de mettre l'autre, malheureusement, c'est trop la misère. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les deux triangles comme ça. Ça, au moins, je pourrais bien les mettre comme il faut dans le triangle et ensuite je remettrai les triangles en place. Ça sera plus simple de faire comme ça plutôt que me casser le cul à essayer de le faire sous la voiture. Donc vu que l'arrière du triangle est libre, maintenant je peux le bouger à la main à peu près l'angle que j'avais avant de chasse. Et là du coup, je vais vous montrer ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc en rapprochant l'arrière du triangle vers l'extérieur de la voiture, donc là je vais le tirer à la main vu que c'est possible. Et vous allez voir que ben, plus vous le tirez, plus votre combiné il se couche. Et plus, bah, vous aurez d'angle de chasse. Le souci qu'on a, les frérots, c'est que celui-là, il veut pas sortir du triangle. Et le problème, c'est que vu que là-dedans, il y a un roulement, ben, bah, venir chauffer le triangle, parce que tu vas niquer le roulement, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de forcer plus. Justin, il me dit, vas-y, force, c'est pas grave, tant pis si ça casse. Mais le truc, c'est que si ça casse, ça, moi, ça m'avançait à rien, parce que dans tous les cas, je pourrais pas le monter. Je vais devoir lui en racheter, plus m'en racheter à moi. Donc, ça sert vraiment à rien. Ce que je vais faire, les frérots, c'est que tant pis, je vais en commander, parce que là, on est à moins d'une semaine d'aller rouler. J'ai vraiment envie que volant, j'ai un bon retour de force, que voilà, qu'on aille rouler, que ça soit kiffant, tu vois, qu'on puisse vraiment profiter du grand angle plutôt que ça soit une journée galère, que ça soit pas le top, tu vois. Ceux de Justin, ils viennent de chez CSP Shop. Je les aurai pas avant d'aller rouler. Les seuls que je sais que je vais recevoir avant d'aller rouler, ça sera ceux de chez Drift Shop. Sauf que chez Drift Shop, ils sont 50 balles plus chers que ceux-là. Ce qui est bien avec ceux de Drift Shop, c'est qu'ils sont un peu plus réglables. Tu peux gratter encore un petit peu plus de chasse que ceux-là. J'avais rendez-vous pour la géo demain, donc ça c'est mort déjà. Si vraiment j'ai pas possibilité d'en faire une, pire, tant pis, on fera une géo à l'œil, tu connais. Et t'auras de régler à peu près qu'au niveau du volant soit bien. Et au pire, sur circuit, on se prendra la matinée pour essayer de régler un petit peu mieux la caisse. Je vais rentrer, je vais commander les pièces et on se retrouve demain ou après-demain dès que j'ai reçu ça. J'ai reçu les oreilles de triangle rotulées de chez Drift Shop. Franchement, heureusement que Drift Shop ça existe parce qu'on va pas se mentir que même si parfois il y a certains trucs qui sont un petit peu chers, mais quand t'as besoin d'un truc rapidement, tu commandes là-bas, mon gars, t'es sûr que tu l'as à temps. Franchement, c'est vraiment tueur. C'est cool qu'on va pouvoir comparer par rapport à ceux de Justin qui viennent de chez CSP Shop. Et maintenant, je mets les fixations au même endroit. Avec celui-là, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de chasse qu'avec celui-ci. Après, sur ceux-là, je pense qu'il y a moyen de gratter encore en changeant cet écrou-là, en mettant un plus fin. Donc ce qui fait que tu vas pouvoir aller encore plus loin. Je sais pas si c'est possible de carrément les monter sans, donc parce que là tu pourrais vraiment gratter pas mal. Au niveau du réglage, ça serait quasiment pareil, même si ici tu arrives toujours à gratter encore un petit peu plus, parce qu'en fait si vous regardez à l'intérieur, ils ont taillé aussi l'alu pour que ça vienne rentrer encore un petit peu plus. Alors que cela là, comme vous voyez, il y a juste la place pour le filetage. J'installe ça, je vais pas vous le filmer, je vous montrerai une fois que c'est en place et comme ça on pourra partir essayer ça. Comme vous pouvez voir, il y a Nathal qui m'a rejoint. Donc là on est parti, on va aller essayer la E30, voir ce que ça dit. La lame, c'est sûr, il va me dire la lame, regardez. C'est vrai, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de mettre le rizan, si jamais sur la lame, tu le veux mettre ou pas? Pareil, à 1000%. On met un rizan? Ouais. Allez. Réussi à mettre les deux oreilles de triangle, galérer sa mère. On va voir si le volant il revient. Putain, j'espère vraiment qu'il revient bien. En tout cas, j'ai beaucoup plus de chasse qu'avant. Donc normalement, il n'y a pas de raison que... Et comme vous pouvez voir, ah ouais, putain, maintenant je le vois de ouf. Ma roue là, elle est vraiment beaucoup plus en avant. Mais par contre, je me demande si je braque à fond, est-ce que en fait, je vais pas arracher carrément mon aile. Ah non, ça va, ça passe. Ok, ça passe. Et par contre, les frérots, maintenant, rien que là, regardez, avant, il restait bloqué. Là, regardez comme il revient. Je crois qu'on a résolu le problème, c'était vraiment un manque de chasse. Donc normalement on est bien. Je peux pas le dire, mais tu me fais chier. Ah, tourner à gauche.
Donc normalement là on est sur quelque chose de pas dégueulasse, ça devrait le faire. La trompe. Oh là là frère, comment il revient le volant. Rien quand tu tournes, tu sens il veut que revenir. De notre petit tour, donc ça va plutôt concluant, le volant il revient bien. Anatole peut vous le confirmer avec son petit tour de rond-point. Maintenant il y aura plus qu'à vraiment tester bien samedi. En tout cas maintenant je suis content, le grand angle ça a l'air d'être plutôt pas mal. On verra sur piste pour régler les 2-3 petits derniers trucs s'il y a besoin de régler. La journée pour nous elle est pas finie, on va la mettre sur le plateau, préparer tout ce qu'on a à préparer, encore aussi chercher sûrement aujourd'hui ou en tout cas dans la prochaine vidéo le moteur pour l'autre 30. Donc sur ce les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.